Villa Mellone prend son nom de la puissante famille des marchandes qui en a été les propriétaires au XIXe siècle. La villa est située dans ce qui était autrefois la ville d'Herodie, sur les chemins d'une ancienne voie romaine qui menait à l'intérieur de l'enceinte murale messapique de la ville des Loupies, l'actuelle Lecce. La façade est sévère et monumentale et elle est adoucie au niveau supérieur par la présence des trophées à décoration végétale présentes sur les côtés des fenêtres. Parmi les milliers les plus fascinants de toute la structure nobiliaire, il y a ce qui autrefois était la galerie. Intéressant du point de vue décoratif est la grande voûte en pavillon. Aux sections angulaires de la voûte, on peut admirer des sujets ailés, représentés avec des grands trophées à décoration végétale et des corbeilles de fruits. Quatre couples de sphinx stylisés et placés des profils dominent la partie centrale de chaque mur, tandis que dans la partie haute, il y a deux médaillons avec deux figures de femmes en train de jouer au ballon et danser. Une autre salle très intéressante est celle adjacente à la galerie. Elle aussi est fascinante et présente les mêmes éléments iconographiques de la galerie, avec peu de variantes décoratives, mais significatives.